Le Ballet Royal de Suède, ça fait partie des compagnies historiques. Elles ne sont pas la seule, mais elles ne sont pas si nombreuses que ça. C'est vrai que c'est intéressant pour le public et pour ces compagnies-là de pouvoir venir aussi rencontrer le public parisien à l'Opéra Garnier. Et en fait, ce que je trouve intéressant, c'est l'évolution de ces compagnies, de ces troupes. Là, actuellement, le Ballet Royal de Suède est dirigé par quelqu'un de formidable qui s'appelle Johannes Ullmann, et qui a souhaité montrer l'évolution de cette compagnie. Et il a demandé à un chorégraphe suédois, et pas des moindres, puisque c'est Matsek, que le public français, enfin, le public dans le monde entier connaît bien, et il lui a proposé de faire d'une certaine manière un ballet, puisque c'est Roméo et Juliette. Mais c'est mal connaître, ou c'est bien connaître Matsek, puisque pour Matsek, c'est pas Roméo et Juliette, c'est Juliette et Roméo. Et c'est pas par hasard, hein. On pourra d'ailleurs voir Anna Laguna qui danse, hein, la fameuse Anna Laguna, une compagnie vraiment formidable, avec de jeunes artistes, plein de force, d'élan, de lyrisme. Et c'est une palette un peu différente de Mats que l'on voit dans cette création. Il a choisi de pouvoir chorégraphier sa Juliette et son Roméo sur la musique de Tchaïkovski, ce qui crée à la fois un moment qui apparaît romantique, mais aussi à des contrastes. Donc, c'est la première fois qu'on pourra voir à Paris ce ballet, et je pense que ce sera un grand rendez-vous.